C'est sûr qu'on a eu pas mal d'occasions. Le gardien il a sorti pas mal de frappes. Après on fait les mauvais choix devant. Bon, c'est comme ça, on a joué contre une bonne équipe. On savait que tactiquement ils étaient bons. Donc on a essayé de défendre en bloc. Après on prend des buts parce qu'on ne s'écoute pas. Voilà, bon, après c'est le futsal, c'est comme ça. Hein. Ça fait des bien. Aujourd'hui, on était en train de parler un petit peu avec les joueurs. C'est vrai que peut-être qu'on a manqué, c'était pas le match de sec, c'était pas un hyper match, mais la priorité c'était sont les points. On a joué 6-7 minutes à fond, les 6-7 premières minutes à fond. On a vu que face à nous, l'équipe adverse, il était un peu aussi en état de choc comme nous. Je pense que c'est la pression, on est tous bloqués les gens.
et c'est, ça nous a suffi. On a vu un écart de 2-0, on a essayé de gérer intelligemment les matchs. Et c'est vrai que ce n'était pas le meilleur spectacle pour les supporters, mais aujourd'hui, on n'avait pas le choix. Ça fait 7 matchs qu'on part d'affilée et on a progressé à chercher l'efficacité avant de chercher les spectacles. À partir de la semaine prochaine, on va essayer de corriger tous les deux. On continuera à essayer les points, mais on va essayer en même temps de proposer des jeux. Ouais, c'est clair, ça fait plaisir. On avait à cœur de prendre les 3 points aujourd'hui. Ça commençait à être compliqué, on était à la dernière place, on a joué avec la pression. Après, tant pis, on a fait le nécessaire, ça va rebooster l'équipe. Et voilà, on va pouvoir bien repartir la semaine prochaine, bien retravailler pour la semaine prochaine, reprendre des points encore à Échirol. Mais déjà, ça fait plaisir aujourd'hui de gagner, ça va ressouder toute l'équipe et ça récompense aussi le travail qu'on fait depuis le mois d'août où on n'a pas été trop récompensé pour l'instant. Donc voilà, ça fait vachement plaisir de gagner aujourd'hui, quoi. Surtout première victoire à domicile. Donc voilà, pour le public aussi, qui nous soutiennent tous les week-ends, ça fait énormément plaisir.